On poursuit dans un monde de start-up. On est toujours à Viva Technologie, toujours sur WeDoBiz, mais cette fois avec Jérémy Arroche. Bonjour. Bonjour. Jérémy Arroche, tu es le fondateur de Quantmetry. Je vais te proposer d'en faire le pitch. Si tu devais résumer en trois hashtags ta boîte. Ah, en trois hashtags, innovation, data et consulting. Alors plus spécifiquement, vous avez une actu aujourd'hui sur VivaTech ? Oui, alors Quantmetry existe depuis 6 ans, on est 60 collaborateurs, nous sommes experts et pionniers dans le machine learning appliqué aux grands groupes. On résout des problèmes de marketing, des problèmes de fraude, de maintenance, de RH, de cybersécurité, avec aujourd'hui les meilleurs algorithmiciens issus de thèses en machine learning et en intelligence artificielle. Ah. Et aujourd'hui, à DataJob, alors attention, j'ai fait un énorme lapsus. J'ai appelé le nom de VivaTech DataJob, qui est notre événement à nous, qui est un événement de recrutement spécialisé en data scientist, mais qui aura lieu le 22 novembre au Palais Brongniart. D'accord, mais ici, ça s'est placé. À VivaTech, ouais. Nous lançons une nouvelle offre qui s'appelle Anova. Alors Anova, qu'est-ce que c'est ? C'est un moyen pour nous de créer du logiciel spécialisé en intelligence artificielle, mais en co-innovation avec des grands groupes. La co-innovation, ça veut dire qu'on co-crée une start-up, qu'on met la propriété intellectuelle dans une JV, qu'on est ensemble capable de créer de la valeur ajoutée et que l'expérience et la partage de risque fera en sorte que nous partagerons aussi la valeur avec cette start-up. Évidemment. En quoi la data peut changer le monde ? La data va changer le monde et change déjà le monde professionnel. Aujourd'hui, un certain nombre de personnes ont peur que leur métier disparaisse parce que des intelligences artificielles ou des machines vont les remplacer. La réalité, c'est qu'il ne va pas y avoir un grand remplacement, mais tout simplement une coordination. Le fait que chaque employé, chaque collaborateur aura un compagnon fait de silicone. Et nous participons à être capables de créer aujourd'hui des algorithmes de recommandation, de prise de décision pour les grands groupes afin de piloter des décisions de marketing, des décisions financières, des décisions générales. L'avantage, c'est qu'on le fait avec les personnes les plus qualifiées aujourd'hui en utilisant, par exemple, le deep learning. Jérémy Arroche, la question de notre partenaire OVH, en quoi le cloud impacte ton business ? Le cloud est absolument incontournable. On est aujourd'hui dans une situation en termes de momentum où on est capable d'avoir des capacités de données, des capacités de calcul qui se synchronisent sur le cloud. Si on ne pense pas au cloud, éventuellement le cloud interne, mais encore mieux le cloud public, on ne peut pas envisager d'être capable de créer de l'intelligence artificielle. C'est ce qu'on fait lorsque le calcul est fait localement en temps réel. C'est le moment du Fastcam. Jérémy, je te propose de regarder les entrepreneurs. Tu as 15 secondes, les yeux dans les yeux et carte blanche. Ma carte blanche, si vous êtes entrepreneur, sachez que la chose la plus extraordinaire, c'est la liberté d'entreprendre et le statut de pouvoir choisir et de créer ce qui sera l'avenir de votre futur et la façon dont vous transformerez le monde. Alors rejoignez-moi dans une aventure entrepreneuriale et pourquoi pas sur des thématiques de data. Un grand merci à toi, Jérémy Arroche, je le rappelle, fondateur et dirigeant de Quantmetry. On était sur VivaTech avec toi. Génial, merci beaucoup. Thank you.